Bonsoir tout le monde, merci à pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SAR, c'est un plaisir pour nous avec vous, j'ai toujours fait chaque semaine pour nous aller souterrain, dans le vidéo, ensemble avec vous, pour nous voir comment ça avance, qui ça a fait, que j'ai réalité à présenter, est-ce que ça qui dit, c'est ça qui a réalisé tout bon vrai souterrain. Pas oublier chaque semaine, Télévision Nationale d'Haïti tenant compte de l'objectif Caravane Changement, mener équipe bio avec caméra, micro nous, dans le garder. Qui j'en saillé, parle avec technicien, parle avec responsable chantier, parle avec population, tout, hein, puisque au final, ça qu'a fait, c'est pour permettre à la population de vivre dans plus bonnes conditions. Maintenant, il y a un mot par vous dit, il y a un problème de travail, et puis il y a profité à tirer attention sur l'ensemble de l'autre problème que la communauté a fait face, et puis ça qui t'a qu'à permettre à l'autorité de prendre une bonne décision pour accompagner divers membres de la population, dans quel que soit côté où il. Pour semaine ça, l'équipe TNH a chanté dans pile département, n'a fait nord, n'a fait nord-est, n'a fait sud, n'a fait l'ouest, n'a fait grand-est. Vraiment, nous partons pour un bon viré à soi. Image au pral rivé, image au pral permettre nous mieux comprendre qui j'ai en réalité. Ça qu'a fait, ça faut qu'on fait, ça qu'a bien pour fait, avec ensemble de reporters nous qui ont même été dépêchés malgré le ben, temps qui était à l'appui. Mais vous êtes tenu à porter information pour nous pour l'émission semaine ça. On nous a rejoint Richardson Jourdan et puis Pems Jean-Baptiste. Monsieur était dans notre pays, on nous dit dans le Grand Nord, puisqu'il fait Nord, il fait Nord-Est. Il était passé tout dans la Tibonite. Il va dire exactement qui ça a été, ouais, qui j'ai en réalité. Est-ce que commencez une différence par rapport à Jean Sapeye week-end qui se passé. Hein? Richardson Jourdan, bonsoir, comment nous y est? Bonsoir à tous les téléspectateurs. Téléspectatrice Télévision Nationale d'Haïti. Nous connaissons chaque week-end TNH mobilisé dans différents coins dans le pays. Et une façon pour faire la population ensemble travail qu'a réalisé dans quatre caravanes de changement. Pour le week-end, nous sommes dans le département nord-est pays d'Haïti avec Nord. Premier côté, nous sommes allés, c'est dans la section communale Grand Bassin, dans la localité Marion, dans la commune Terrier Rouge. Côté, nous avons regardé un barrage d'eau qui a fait dans la zone Marion. Les nous arrivons, nous sommes tous techniciens cubains avec haïtiens et mobilisés dans le travail ça en façon pour comment nous avons fini le travail là avant les. Après, nous sommes rendus sur Terrier Rouge Valier là. C'est même barrage là, nous sommes TPTC, CNE, tous mobilisés sur route là, dans quatre travail qui a fait sur route Terrier Rouge Valier là. Après ça, nous sommes rendus dans la commune tout du nord. Les nous arrivons dans la ville là, nous gagnons TPTC avec CNE qui a fait un paquet de travail dans la ville là en façon pour foncer des routes. En dans ville là. Après, nous te rendons dans le département nord sur route numéro 2A dans le bloc 4 Timorin. Route ça, c'est route Lossoti Ladan qui a le débouché Saint-Raphaël, Inche et même Port-au-Prince. Nous arrivons, nous jouons plusieurs techniciens, CNE, TPTC, ils sont tous là, ils sont mobilisés, ils ont fait travail sur route là. Après ça, nous te fait en façon pour nous te jouer directeur départemental travaux publics nord là, qui c'est ingénieur Alan Lui. Lui-même qui était dans un bilan de divers travaux qui fait dans le département nord depuis les caravanes dérapé dans la zone ça. C'est tout côté ça nous est passé, toute équipe a été mobilisée, une façon pour être capable de faire la population ensemble travail cap réaliser dans le cadre de caravane changement. C'était Richardson Jourdan pour Télévision Nationale d'Haïti. Voilà, merci un pile Richardson Jourdan, merci un pile Pems Jean-Baptiste, monsieur lieutenant Grenot. S'attendez ensemble d'informations. Richardson se partager avec téléspectatrices et spectateurs avec nous à soir. Eh bien, imaginez au pas prendre temps pour arriver. Premier côté, Richardson avec Pems qui mène nous, c'est Marion. Marion qui était à l'honneur. On nous dit pour vous faire agriculture et travail, puisque c'est là le président de la République, Jovenel Moïse, a été célébré officiellement. Fête agriculture et travail, 1er mai que se passé à. Et c'était tout, lancement officiel barrage qui va le faire sous Rivière Marion. Là, nous sommes dans Nord-Est, localité Grand Bassin. On a regardé avec Imaïsa Okra Rivéa, réalité et Marion, qui est en situation présentée. Et déjà, ça va nous donner une idée de qui importance barrage qui va le construire sous Rivière Marion, capable de gagner pour une communauté comme ça. On a suivi ça. Travail construction barrage de l'eau qui a fait dans la localité Marion, section communale Grand Bassin, commune Terrier Rouge avancé. Nous remarquons qu'il y a plusieurs techniciens cubains ensemble avec haïtiens qui là qui a travaillé d'arrache-pied une façon pour capable finir avec travail ça. Barrage ça qui a fait là, il va permettre non seulement habitants qui vivent dans une zone plantée
joindre de l'eau pour arroser jardin yo. Et puis tout gain des localités qui gagnent dans zone ça à côté moun yo qu'on fait face avec un pile problème de l'eau et va permettre moun ça joindre de l'eau en façon pour mener activité yo. Et puis tout pral gagner yon usine hydroélectrique dans zone ça. C'est ça qui fait nous gagner un paquet technicien qui là qui a mobilisé là en façon pour se décarrer mettre travail là avant 2019. Nous là n'a quitté population suivre travail qu'a fait yo en image. Là c'est image à cap parler, on capable voir comment travail yo avancé dans localité Marion dans quatre barrages ça qu'a fait dans zone ça. Nous invite au suivre. Là, nous avons une idée de comment travailler avancé pour construction Baraïsa au niveau rivière Marion. Et pendant la transmission 1er mai, ensemble élus locaux, nous avons profité, attirer l'attention du président de la République, l'équipe du gouvernement qui est là, pour le ministre, sur ensemble de leurs problèmes que la communauté a fait face. Jeudi, à quoi qui t'a dû attirer l'attention et qui t'a dû jouer une réponse appropriée. Mais là, pour Kounia, c'est le travail de construction Baraïsa. Et qui a fait fête dans la rivière Marion, sous rivière Marion. On a précisé, rivière Marion,
c'est dans le département nord-est, dans la commune Terrier Rouge. Et vraiment, notamment des grands pays de zone en est-ce que nous sommes les gens tellement la réalité n'est pas trop facile, la réalité en plus fois très difficile. Et moi, c'est de bon temps hein, pour que nous ne nous pas penser que le pays seulement sous base de Port-au-Prince, mais nous croyons que les frères qui sont dans la zone reculée, ils ont une place, ils ont besoin, ils ont un problème, nous avons besoin de virer, j'ai gardé. Nous avons toujours été Marion Farah, nous avons toujours été Marion avec l'image, l'autre image qui va venir toujours sous réalité. Zone ça, sous réalité qui entourait, n'est-ce pas vrai, spécificité, localité Grand Bassin, côté très certainement, barrage hydroélectrique ça a été construit. On a regardé ensemble, toujours avec collaborateur Nouyo, Richardson Jourdan, et puis PEMS Jean-Baptiste, qui t'a fait déplacement pour TNH. Télévision nationale d'Haïti, une autre fois encore mobilisée à travers tout le pays, et une façon pour faire population. Vivre ensemble travail qu'a réalisé dans le cadre de changement. Là, nous trouvons nous dans la commune Terrier Rouge, dans la section communale Grand Bassin, dans la localité Marion. Nous connaissons un barrage qui a fait dans la zone pour capter de l'eau. C'est ça que fait nous là, nous venons regarder comment le travail a avancé. Nous allons parler avec les techniciens haïtiens, cubains, eux-mêmes qui vont dire nous, dans qui prend le travail là. Nous invitons à suivre. Là, dis-nous non, comment le travail là. Là. Le travail a bien marché là, oui, en attendant, sans copé, notre travail sans copé. Il a bien marché là. Ça on fait là, c'est qui ça lié? M'a compacté terre pour. Quand dit compacter terre, ça veut dire qui ça? La peser pour le dire pour rejoindre ça, a fait pour barrage là. Il a préparé ça, c'est barrage là qu'a préparé là. Ça veut dire qu'on fait terre à une plate? Oui, ma plate terre. Tout roche et puis tout a bien plati. C'est chaque jour nous travaillons là, on frappe. Chaque jour nous là, on frappe. Comment vous en tant que fille dans travail ça? Ah, bon travail là, moi m'a bien travaillé, oui. Travail là bien marché, je n'ai pas un problème à travail là. Je suis content de travailler là tout. L'importance travail là gagné pour nous, pour de l'eau. La bien importance pour nous aux jardins et en plus tout pour. Lumière, président mettez pour nous. Un gros paquet d'importance qui gagne un gros travail, ça président mettez sous pied là pour nous. En comptant en pile parce que je participe à ce travail là. Et moi, le président, puis continue à mettre plus de travail, toujours pour plus de travail. Bien, nous encontramos aquí en la zona de la construction de la presa Mario. Esta es una obra, como ustedes ven, de materiales locales. Que lleva núcleo de arcilla en el caso de la cortina, espaldones de rocoso. Nous en zone là côté nous là non, côté que y a fait construction barrage Marion. Côté nous est exactement nous en on parti dans digue qui gagne un noyau argileux et matériaux qui là c'est matériaux que nous joignent sous site là même. Pour qui ça barrage ça? Para que este el apresa. Esta obra tiene la finalidad de embalse de agua con el objetivo del desarrollo agrícola. C'est un barrage qui a un objectif pour emmagasiner de l'eau avec finalité pour être capable de faire pour l'agriculture, l'irrigation. Mais l'installation hydroélectrique qui a parlé, dans qui prend ça? Et la cause de l'hydroélectrique qui est en la scène de l'installation. Además tiene como función el abasto a la población, servicio de agua potable para la población. Tiene como parte también la generación de corriente eléctrica con el gasto que se le va a entregar a través del río y para el riego, aprovechar la energía del agua para producir corriente también. Además tiene otra finalidad muy importante que es el desarrollo agrícola de la zona. Nous avons un objectif, premièrement, pour être capable d'emmagasiner de l'eau, pour être capable de bailler la population. En plus de ça, nous avons un objectif pour faire un barrage hydroélectrique dans le pour capable de bailler la population. Tout. Mais l'objectif principal, là, c'est pour l'agriculture et pour l'irrigation. Depuis que l'État va commencer? Depuis quand nous avons commencé? Cette œuvre, se commençaron les études et les projets, hace alrededor de quasi 2 ans. Pero lo que es la ejecución de la obra como tal
va para un mes, casi dos meses de trabajo nada más. Tu as une partie étude qui a commencé à faire. Ça a fait deux ans comme ça. Mais quand il y a la partie que nous avons en construction, quand nous commençons en construction, même ça a fait un mois comme ça. Et qui est ce qui a fait travailler ça aujourd'hui? Qui est haciendo este trabajo? Bueno, este trabajo lo está haciendo el laboratorio de Haití, están la dirección de construcción aquí de los compañeros de Haití, son los que están ejecutando el trabajo. Sí, laboratorio nacional que trabaja eso, y pues es el Ministerio de Trabajo Público. Es nuestro deber para trabajar eso. ¿Cómo lo ¿Qué tiempo tenemos que terminar este trabajo? Esta obra, por las condiciones hidrológicas que tiene, el tipo de río de montaña, los hitos que hay que seguir en el proceso de la construcción, debe finalizar su construcción en la seca de finales del 2019. Ça doit finir, travail ça doit finir à la fin, à la fin année 2019 là. Ça veut dire non seulement on a fait barrage là, et là nous finissons barrage là pour nous capter de l'eau et puis tout installation on va le faire après. Comment va Marcel? Si va Marcel et va Marcel et la presse, il después va para et la électricité. Comment c'est ça? C'est ça. Sí, primero hay que construir la presa que esté en explotación, cuando comienza la explotación de ella, que es una vez que se haya terminado completamente, es que entonces se activan los diferentes servicios que va a prestar la presa. Donc, vous finissez d'abord avec un barrage, non? Là, vous finissez avec un barrage, c'est là que vous pouvez utiliser pour tout, à toute fin que vous avez pour faire là. Mais qui prend le travail là et travaille barrage, est-ce qu'il y a un travail à avancer? En quelle estamos? Vous dire à Mosse Dessil que déjà estamos avançando? Sí, estamos ya en una etapa, aquí como ustedes ven, se está tirando terraplén en la cortina, y eso es parte del cuerpo de la presa. La obra está en ejecución. ¿Ouvrage ya déjà en ejecución? Yo estoy movilizado para hacer trabajo. ¿Todo está listo para hacer trabajo? Sí, aquí nos encontramos trabajando, como decía, en el terraplén. Estamos construyendo el canal de desvío para la etapa esta de derivación del río. Estamos iniciando los trabajos de la obra de toma, que es la que se va a tomar el agua de la presa. Hay unos cuantos frentes de trabajo abiertos. Y un pile de trabajo que hubo ahí, nos deja hacer canal de desviación. Nous avons commencé avec Dixalan. En plus de ça, nous allons prendre et côté nous allons prendre de l'eau. C'est un message qui s'est tapé. Un message, ok? Un message. Un message que estamos aquí haciendo todo lo posible porque esta se cumpla con calidad. Con eficiencia la construcción de este proyecto que va a dar un servicio muy, muy importante para la nación y para la población, servicio del pueblo, y es muy importante esta ejecución de esta obra. Message là c'est que nous avons pour nous faire un travail de qualité, un bon travail pour la population. Pour nous-mêmes, nous sommes étudiants limonade, nous sommes étudiants en phase presque terminale en génie civil. Donc nous venons là, c'est pour stage avec construction d'un barrage qui est très important pour nous dans la formation. Non? Pendant que nous n'avons pas appris des séries de bagailles en classe, mais nous avons profité à faire des expériences, surtout avec des personnes étrangères qui ont vraiment aidé nous dans cette étude. Non? Donc pour moi-même personnellement, et passer pour tout étudiant qui a étudié dans le campus, c'est très important pour nous suivre l'expérience ça pendant tout pendant début à la même et jusqu'à la finition. La présence là, c'est juste pour enrichir connaissance par rapport au travail qu'a fait dans le barrage. Bien sûr, pour enrichir connaissance, nous, et que tout, yo compte prendre des jeunes pour lorsque étrangers ou pas là, au moins qui connaissent depuis l'implantation, donc maintenant, qui connaissent comment elle était faite et jusqu'à la fin. Donc, étrangers ou toujours là pour toujours prendre soin du barrage, on est fini. Donc, il a besoin des gens qui ont plus d'expérience, qui déjà là depuis la construction jusqu'à ce qu'il est fini, qui va écouter. Qui, en tant qu'étudiant, qui est important sur un barrage comme ça pour la communauté, pour la zone? Bon, barrage, ça seulement, ça est en phase de construction, oui. Mais on parle déjà, c'est un barrage, je vois un barrage presque même à Pélig, mais seulement qui a une capacité qui plus réduite, qui pour desservir la zone avec électricité. Donc, pour la zone déjà, il est très important, la PD Mounio et tout ça participe tout dans l'évolution communautaire. Donc moi même comme étudiant et qui t'a doué tout pour participer dans l'évolution communauté PAM, nous trouvons les très bon, les très sensé que au moins si chaque zone de Kagan bénéficie de ça, c'est très important
non seulement pour zone mais seulement pour tout pays. Pour gagne bagarre à apprendre là. Bien sûr, en pile parce que d'essayer de construction ça pour nous les nouveaux. Le fait que il a montré nous à chaque fois comment pour nous faire compactage à tel niveau en terre battue. Donc c'est pas un bagarre qui était habituel pour nous. D'ailleurs, majorité ingénieurs ici plus focus sur bagarre qui a rapport avec béton, fer, etc. Mais là, il y a vraiment une base solide avec terre battue que nous apprenons là-dedans et suivre tout graphio, suivre de ces deux évolutions avec Cubéana sous AGIS qui très aide nous et que nous passons nous apprendre en pile, c'est très, très utile. Étudiants camarades, mais on se dit là, nous présentons juste pour que nous fassions des pratiques par rapport à ça que nous apprenons dans la classe en termes de théorie et nous venons là pour nous faire pratique. Comme nous sommes invités pour nous venir, nous venons parce que nous apprenons en pile bagaille. Et nous avons seulement 4 jours là déjà, même des bails que nous apprenons là, nous voyons que c'est des bails qui sont nettement différents par rapport à ça que nous apprenons dans la classe. Nous venons dans la réalité sur l'autre bail, différent que lié, et nous apprenons plus le bagay. Apprendre dans la classe, ça c'est un bagay, mais l'autre sur le terrain, ça c'est l'autre bagay. C'est sur le terrain que vous apprenez à devenir ça que vous voulez devenir en réalité. La question que nous devons poser, là, que nous dérivons là, c'est à qui ça travaille, ça pourra le servir du tout. Mais en réalité, vous dites que c'est l'observer premièrement pour yon. Pour une phase électrique pour capable électrifier zone là et puis une autre phase qu'a utilisé pour capable arroser une autre pour irrigation et puis à bon pisciculture là aussi parce que c'est très important pour zone là et que si possible pour que yo continue faire genre de travail ça dans des zones dans d'autres zones qu'on a payé ça parce que c'est très important matériel ça c'est les scrapper méga scrapper. C'est le matériel ça, il y a trois matériels, donc bascule, grader, bulldozer. Par le matériel ça, c'est décapité. Pour faut donc vouloir pour décapiter après ça lui-même l'hypotil, l'algétil, côté l'algétil là, il tout niveler. C'est wall ça. Captage de l'eau même, c'est lui-même qui fait nivelage là. C'est un bel travail. Bon, monde qui peut comprendre le travail là, yo elle, yo disons vieux bagage mais là, on commence à rentrer dans 2 mois, 3 mois, on voit effectivement le travail. Ça. Qui genre de travail, ça y est, ça président Abdian. Et je crois que les gens dans la zone, ils vont délivrer. Ils délivrer, bon, on commence à faire. Et puis, ils vont avoir courant, et puis ils vont avoir de l'eau pour arroser. Tout le monde. Ça, non seulement, ça permet d'arroser déjà, et puis ça permet de jouer courant tout. Oui, il y a un courant tout, parce que c'est un hydro. Donc, au Péligue, c'est comme ça qu'on va le faire là. Le message PAM, c'est m'a encouragé le gouvernement, particulièrement le président Jovenel Moïse, qui voulait avancer avec les jeunes. Moi-même, je suis chez Amdechita, à la fin, pour livrer mal d'informations sur ce matériel-là. Et puis, je suis arrivé à l'OEA, et moi-même qui ai ce matériel-là. Et le matériel-là, bon, c'est le premier matériel consacré en Haïti. Moi, je travaille là très bon. Toute activité est très bagaille. Et c'est pour ça que, depuis un moment, le président. Il faut compter président. Il est venu sur cause à travail là. Parce que le terrain, ça, c'est pour nous-mêmes. Mais il était qu'on apprécie que nous très bien. Et pour ça, tout nous-mêmes, tout nous te voulons monter. Parce que nous te connaissons, c'est mon pays en nous, mon zone en nous. Il n'est pas qu'à la nous. Parce que là, qu'on vient, pendant la journée, je dis à ma parler là, nous-mêmes, nous ne reconnaissons pas. Mais lui-même, il a oublié parce que mais depuis, il tendait ses monbitations. Il a connu évidemment Pompilis qui parle avec. Parce qu'il est toujours connu qui parle avec nous là. Il connaît parler avec nous bien. Il connaît montrer nous comment travailler, l'abgérer, comment là pour aller dans toute activité. Même là, nous prenons petit problème parce que nous perdons pied bois, nous perdons tout ça. Nous te connaissons cette activité. Mais moi, je toujours prends patience parce que je connais ce qui est ennuyé. Il ne peut pas quitter nous plonger. Parce que dans le moment ça, il te dit nous comme ça, bon, depuis le travail la fête, c'est pour nous-mêmes. Même parce que depuis qu'on y a nous un chemin, nous n'avons pas de chemin. Mais qu'on y a nous une lumière, chaque monde a une lumière à la carrière pour éclairer. Nous n'avons pas de nous disons merci et nous disons président Aïe Bobo. Nous-mêmes qui faisons travail sur Aïe Bobo, bon Dieu qu'on est tout le bagaille. Nous, quand on travaille en pile, nous sommes le président, nous travaillons en pile. L'homme dit nous aimons travailler, nous aimons en pile à mort. Nous n'avons pas de voter pour Grémessi, nous aimons ça en pile, bel travail, bel barrage. Nous comptons ça en pile. L'homme dit nous comptons et nous apprécions ça. Pour ce travail à nous, pour ta goût de l'eau là, nous venons gagner de l'eau là, nous pas grand goût, j'en nous grand goût encore. Nous toujours manger à l'air, à temps, vous voyez comment nous pas de problème pièce. On travaille qui a un pile d'importance pour oui, il y a une importance en pile. On dit travail là, il y a une importance, c'est moi travail en pile, c'est pas de mais moi travail là. Travail là important en pile. L'en pile pour toute population dans la zone net, l'important.
parce que toute population dans zone là remet travail là en pile. Nous pas gagner l'appli, nous pas travailler. C'est l'appli pour nous termes cherche, c'est l'appli. Ça bon depuis de la passer n'a fait pile maïs, pistache, toute bagaille manioc, tout n'a fait tout quand nous capable faire tout ça. Comme moi même c'est un ancien 1er avril 2013 président atterri avec message ça avec initiative ça dans le département nord-est. Moi son grand initiative liée pour population nord-est là. Et je crois que ce n'est pas là qu'il vient commencer le travail. Non, il vient commencer le travail depuis le 1er avril 2013. Il commence à faire plantation de bananes. Comme petit paysan, il a cheminé pendant que il vient rentrer, il vient monter président. Mais il a déjà une vision, toute vision, ça, tout rêve, ça, il a déjà gagné. Captain Glo, ça a fait là. Son plus gros défi, président Jovenel, comme moi-même, nous avons une petite habitude avec. Nous toujours dit directeur, nous ne sommes pas les autres Jovenel. Nous ne sommes pas habitués à ça. Mais cependant, Capitaine Glosso a fait la fête là. Quand pile monde qui a voyé monter, qui a dit un bon vieux slogan, c'est parce qu'il n'y a pas passé côté pour avoir un développement. Si vous avez besoin de développement, il faut que vous rentrez à Santo Domingue. Est-ce que vous comprenez? Pour vous louer des Royamount, côté que cap avez tout Santo Domingue, cap mouillé Santo Domingue. Mais c'est le premier président nous gain, premier paysan nous gain qui vient prendre l'initiative ça dans le département nord-est. Nous croyons que tout le monde, politicien traditionnel, cap bal, cap bay, bouika, font ban, etc. Nous avons pour tout vin connecté, vin jouer le président Jovenel pour nous être capable de mettre fond faisceau pour nous si nous avons retiré les paysans dans une mauvaise situation. Voilà, nous sommes suivis ensemble, réaction plusieurs techniciens haïtiens, concubins qui travaillent dans le barrage de l'eau qui a fait dans la zone Marion. Et puis tout nous parler avec quelques étudiants et puis les gens qui vivent dans la zone. Yo, même qui félicite le chef état haïtien qui a pris l'initiative ça pour venir avec le projet ça dans la zone. Yo fait qu'on est grâce avec le barrage de l'eau qui a fait là, il va permettre non seulement les jeunes courants dans la zone, et puis tout, agriculteurs, planter avec travail la terre pour le permettre les jeunes de l'eau pour arroser le jardin. Yo encourage chef d'État pour continuer le travail et l'affaire. C'était Richardson Joudan pour Télévision Nationale d'Haïti. Merci en plus Richardson Joudan avec PEMS Jean-Baptiste, Monsieur Ténor Rivière et Marion pour te garder avec technicien yo qui sa travail ou lié, qui est important ce travail et puis sa finalité a pour allier et dans quel niveau moun ka vive dans la communauté ça pour aller profiter au maximum de ça qu'a réalisé Journée Jodia sous Rivière Marion qui trouvait le département nord-est.